Bonjour à tous, aujourd'hui pour un nouveau tuto où aujourd'hui je vais vous présenter une usine sur Minecraft Bedrock. Et vous l'avez vu dans le titre et sur la miniature, aujourd'hui je vais vous présenter une usine à Guardian spécialement pour Minecraft Bedrock. Je vous déconseille au passage de la faire si jamais vous êtes sur Java, parce que les spawns ne sont pas du tout pareils entre Java et Bedrock, donc ne vous amusez pas à la faire sur Java, sinon l'usine ne fonctionnera pas. Voilà, évidemment, juste avant de commencer cette usine, si jamais vous aimez bien les petites vidéos comme ça où je prends des usines, n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à lâcher un petit like si jamais vous aimez bien, et si jamais ce n'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je le dis rarement, mais pour une fois je le dis en intro comme ça, ça fait plaisir si vous le faites et c'est super gentil. Et perdons pas tant les amis, passons tout de suite à cette petite usine, et dans un premier temps je vais vous expliquer comment elle fonctionne, comment l'utiliser, et ensuite on verra le tuto de façon comme d'habitude avec YouTube dans la timeline. Vous allez pouvoir choisir un petit peu la section que vous voulez, si vous voulez directement au tuto ou tout simplement à l'explication, etc. Et bien vous pouvez le faire. Et donc je vais commencer par vous expliquer comment fonctionne l'usine, le pourquoi du comment on va faire ceci. C'est tout simplement pour savoir sur Java les guardians spawnent un peu aléatoirement autour du monument, alors que sur Bedrock il faut savoir que les guardians ont 25 points de spawn bien précis. Et tout simplement, après, lors du tuto, je vous montrerai comment identifier ces 25 points de spawn. Et une fois que vous les aurez identifiés, il vous suffira donc de la couche 39, parce que les guardians spawnent de la couche 39 jusqu'à la couche 61, et bien de bloquer les spawns. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai mis des blocs qui bloquent les spawns. Les guardians ne pourront pas spawn, on va dire, tant qu'il y a ces blocs là. Alors que si je fais ceci, regardez, vous allez pouvoir le voir, si je m'écarte un petit peu, au bout d'un moment, il devrait y avoir des guardians à cet endroit bien précis là qui devraient spawn. Voilà, il y en a qui viennent de spawn juste maintenant. C'est tout simplement, comme je vous l'ai dit, on bloque les spawns avec des blocs, et tout simplement, on les contrôle pour pouvoir après tout simplement envoyer tous les guardians dans le nether. Et le truc qui se passe, c'est que dès que j'ai après essayé l'usine, vous allez voir que les guardians, dès qu'ils spawnent, ils se font instantanément TP, et le jeu est en mode mais il n'y a aucun guardian, donc j'en refais spawn et ça spawn ultra vite. C'est pour ça que si jamais vous êtes sur des plateformes assez on va dire peu résistantes, peu performantes comme la Switch ou du moins les anciennes consoles, je vous déconseille de laisser cette usine très longtemps tourner, même moins de 1 minute ou 2 minutes, parce que je crois que c'est aux alentours des 15 à 20 voire même 30 guardians par seconde. Donc faites vraiment attention, les entités peuvent monter très très vite. A savoir aussi, si jamais vous êtes en solo, vous allez devoir activer l'usine, aller dans le nether, les tuer, récupérer, revenir, etc. C'est un petit peu problématique, il n'y a pas de chunk loader sur Bedrock, donc vous allez devoir faire des allers-retours, c'est un peu problématique. Si jamais vous êtes en multi, il vous suffit d'avoir un joueur à vous, un coéquipier, qui est dans le nether et qui attend de l'autre côté, comme ça il verra les guardians instantanément se faire TP, et ça sera plus rapide, dira-t-on. Bon, et bien voilà, je vous ai présenté l'usine, maintenant on va la tester rapidement. Elle est en mode pour le moment loot, je vous expliquerai après comment faire un mode XP, je vais pas vous l'expliquer parfaitement, mais je vous le dirai à l'oral. C'est tout simplement, regardez, hop, j'active l'usine, maintenant on va la voir comment elle fonctionne. Je vais même mettre un peu plus haut, vous allez devoir le voir, regardez, de temps en temps dans les portails, on voit des guardians se TP, se faire instant TP dans le petit nether, et vous pouvez le voir, c'est super super rapide. Regardez la vitesse où ça va, c'est ultra ultra stonks, et comme je vous l'ai dit, je vous déconseille de la laisser tourner trop trop longtemps. Si maintenant je vais dans le nether, vous allez voir ce qu'il y a comme quantité de mobs. Regardez-moi tous ces mobs qu'il y a. Alors j'ai baissé, je crois, le son des mobs pour éviter d'entendre tout et rien, mais regardez-moi tous ces guardians, c'est n'importe quoi. En plus j'ai bien setup le truc pour qu'il meure. Alors là, comme je vous l'ai dit, c'est en mode XP. Alors pourquoi il meurt aussi haut, c'est une bonne question. C'est parce que je l'ai bloqué en mettant des blocs ici, c'était pour faire un test avec le mode XP, mais comme vous pouvez le voir, il meurt super rapidement, et évidemment ça fait beaucoup de loot. Comme je vous l'ai dit, là elle est en mode non XP, en mode loot, et pour l'avoir en mode XP c'est simple, c'est comme je l'ai fait, vous mettez genre juste des blocs ici, voilà. Vous pouvez faire, si vous le voulez, un petit système avec un dispenser qui enlève la lave si vous cliquez dessus, et ensuite vous attendez d'avoir plein de petits guardians, et vous venez tout simplement avec une potion de instant damage, c'est celle-ci, voilà, de l'instant damage, je vous la lancez, vous en lancez une ou deux, et ensuite vous aurez tout l'XP. C'est la seule méthode sur Bedrock pour tout simplement avoir de l'XP. Je déconseille d'utiliser une Trade on Killer ou ce genre de machine, parce que tout simplement il y a tellement d'entités que ça fait glitch les mobs à travers les blocs, et après vous vous retrouvez avec des guardians partout dans les heures, et c'est un petit peu compliqué, dira-t-on. Bon allez, je vous ai présenté cette petite usine, on va de ce pas se rendre un peu plus loin dans le monde, et on va commencer le tuto tout simplement. Hop, je viens de me TP un peu plus loin dans le monde, donc on va commencer le tuto. Pour ce faire, comme je dis, on va dans un premier temps identifier les 25 points de spawn. Donc avant cela, on va se munir d'une petite map. Prenez bien une map en survie ou en créa comme vous le souhaitez, avec tout simplement votre petit curseur. Et là, vous allez vous mettre à peu près au niveau du monument, du temple, et vous allez tout simplement avoir votre curseur. Il est très important qu'il pointe vers le haut, donc vers le nord dans le monde. Et une fois que ceci est fait, vous allez aller en haut à gauche, donc dans le nord-ouest, ici. Et là, vous allez identifier une nouvelle fois le pilier, donc juste le coin qui est ici. Et tout simplement, vous allez en placer deux blocs. Bon, moi, je mets du diamant et de l'or pour tout simplement faciliter la vision pour live, pour YouTube, etc. Donc, si jamais utiliser des blocs repères, on va dire comme de la cobble,
cobble, de la dirt ou je ne sais quoi. Mais voilà, vous identifiez bien donc le coin, vous mettez deux blocs comme ceci. Et sur ce bloc ici, donc ça va être la première ligne où les petits guardians peuvent spawn. Donc pour ce faire, vous allez, donc comme je l'ai dit, les guardians spawn de la couche 39 jusqu'à la couche 61. Vous allez à peu près vous mettre à la couche 39 et là vous allez mettre des blocs jusqu'à tout en haut, donc à peu près jusqu'ici, jusqu'à la couche 62 pour qu'on puisse bien le repérer. Une fois que ceci est fait, maintenant, au lieu d'aller à chaque fois compter sur le petit monument, j'ai tout simplement fait les comptes entre chaque petit bloc de notre petit coin ici. Donc vous vérifiez bien à nouveau que vous êtes vers le haut, hein, que votre curseur pointe vers le haut. Et une fois que ceci est fait, par rapport au bloc que vous venez de placer, donc la ligne où c'est qu'on a le point repère ou tout simplement il y a une zone de spawn, vous allez simplement à partir de là poser 10 blocs, donc moi du diamant, des blocs repères. Donc ici on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et après avoir placé 10 blocs, là vous avez une nouvelle ligne sur laquelle les guardians peuvent spawn. On va faire ça évidemment tout le long. Donc une fois avoir posé 10 blocs, vous allez poser cette fois-ci 15 blocs. Donc voilà, là je viens de poser 15 blocs. Donc après les 15 blocs, hop, un petit bloc repère parce qu'il y a à nouveau une ligne de spawn. Et là, une nouvelle fois 15 blocs. Et une fois que vous déposez à nouveau 15 blocs, hop, un nouveau bloc repère. Et cette fois-ci, au lieu de compter 10 comme on l'a fait de l'autre côté, vous allez compter 9 blocs. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et normalement, après le 9e, donc ici sur ce bloc-là, si vous vous êtes pas trompé, vous pouvez vérifier en vous mettant bien aligné ici et vous descendez. Et regardez, hop, on est comme de l'autre côté. On a bien deux blocs dans le coin par rapport au pilier. Et ici, le bloc d'or. Donc c'est parfait. Et avant de placer les lignes, je vais aussi vous faire l'autre côté qui est ici sur cette longueur. Comme ça, après, vous aurez juste à bien aligner les petits blocs pour pouvoir faire les 25, on va dire, colonnes, c'est que ce qui empêche simplement le spawn des guardians. Et tout simplement de ce côté là vous allez voir, c'est tout aussi simple. Vous allez placer ici de nouveau 10 blocs, évidemment comme tout à l'heure, après les 10 blocs un petit bloc repère pour dire qu'ici il y aura une ligne. Ensuite, c'est comme tout à l'heure, on va faire un 15 et un 15 à nouveau. Donc voilà, on a bien 15 blocs entre ces deux blocs-ci et ces deux blocs-là. Et pour finir, comme tout à l'heure là-bas, on met tout simplement ici 9 blocs. Et là, normalement, si vous n'êtes pas trompé, vous pouvez une nouvelle fois vérifier. Vous mettez bien au niveau du bloc, vous posez un bloc là. Et comme vous pouvez le voir, comme de chaque côté, dans chaque coin, tout est parfait, tout est bien aligné. Maintenant, je vais faire moi-même une petite ellipse. On va venir mettre une petite ligne, comme je dis, de la couche à peu près 39 jusqu'à ici. Dans chaque petit bloc repère ici, comme on l'a 25 fois, on va le faire aussi ici. Mais évidemment, il faudra le faire aussi comme ceci. C'est-à-dire que, regardez, hop, on va essayer de s'aligner sur les deux blocs qui sont tout simplement juste ici. Vous voyez, hop, on est bien aligné là. Je crois que là, on n'est pas aligné. Si, on est parfaitement aligné. Ici aussi, il y aura on va dire, une tour jusqu'en bas. On en aura une ici, ici, etc. Et donc, vous allez faire ça 25 fois. Et puis, on se retrouve juste après pour voir un petit peu le rendu. Donc, voilà à quoi ça devrait ressembler, plein de petits tours comme je vous l'ai dit, avec des petits blocs repères que j'ai mis en or. On en a au total 25. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir enlever ces petits blocs de diamants juste ici qui ne servent plus du tout à rien. C'était utile juste avant. Voilà, évidemment, comme je vous l'ai dit, moi je suis du diamant et de l'or, mais c'est vraiment pour le tuto, pour que vous compreniez bien. Et là, on peut faire un test pour vérifier si on s'est pas du tout trompé. C'est bon, moi je suis en créatif, donc c'est plutôt simple. J'ai juste à faire un kill arrobas, hop, un petit kill de toutes les entités. Et là, vous verrez qu'il n'y a aucun guardian qui spawn. Si jamais vous êtes en survie, vous avez juste à partir très très loin, décharger de cette zone, revenir, et là vous verrez qu'il n'y a aucun guardian qui spawn. Si jamais vous avez un guardian qui spawn, c'est que vous vous êtes trompé en position des tours, donc faites vraiment attention. Et là, vous pouvez même faire une deuxième vérification en vérifiant bien que si vous avez ces blocs là et que vous écartez un petit peu, au bout d'un moment, vous allez avoir tout simplement des petits guardians qui vont spawn. Bon, des fois ça prend un petit peu de temps, mais ça devrait normalement spawn avec un petit peu de chance. Voilà, qui est fait, comme on peut le voir, ça vient de spawn, magnifique. Hop, c'était vraiment juste pour vérifier que les spawns sont vraiment parfaits. Et une fois que ceci est fait, maintenant on va donc attaquer notre petit tuto. Vous allez voir, c'est plutôt simple. Dans un premier temps, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre n'importe quel coin. Là, ça va être le moment un petit peu long, je vais pas vous mentir, qui est un petit peu chiant à faire, mais vous êtes obligé de passer par là en survie. De toute façon, je vais vous expliquer des petites méthodes pour le faire assez aisément. On va tout simplement venir faire un petit cerclage pour enlever tout simplement 3 blocs d'eau. Il va falloir enlever ces 3 blocs d'eau ici. C'est très important sur toute la ligne là, donc ça va prendre un petit peu de temps. C'est obligatoire, mais en soi ça vaut vraiment le coup. Sachez que à l'époque, quand on faisait des Gina Gordon, on devait le faire de cette hauteur là jusqu'à tout en bas en vélo. Donc cette fois-ci c'est plutôt cool, donc on n'a plus besoin de faire autant. Mais donc pour faire ceci, vous allez simplement venir faire un petit cerclage comme ceci. Alors moi je vais prendre de la glace pour que ce soit plus joli. Et pour ce faire, on va se mettre sur le bloc ici. Alors comme je vous l'ai dit, vous mettez par rapport au coin, vous comptez bien deux blocs d'écart, donc 1, 2 ici. Et là vous mettez à la couche 60, vous pouvez le voir sur mes coordonnées en haut. Et là, comme je vous l'ai dit, c'est super simple. Vous faites un petit contour tout autour de votre usine. Donc voilà à quoi ça devrait ressembler. Comme je l'ai dit, 3 blocs de verre. Donc moi ça sera l'endroit où on enlèvera l'eau, et un petit bloc ici. Alors pour faciliter l'enlevage d'eau, parce qu'ici il va falloir enlever toutes ces 3 hauteurs d'eau, en survie il y a une petite technique plutôt simple mais qui prend pas mal de temps. Déjà, première chose, mettez plein de blocs ici à cette hauteur là comme ça vous allez avoir tout un sol tout autour. Donc déjà c'est plutôt pas mal. Et ensuite, là ça va être le moment un petit peu plus compliqué, qui va prendre un peu plus de temps. Vous allez devoir vous munir de sable. Il en faut pas tant que ça, mais il en faut un petit peu, et d'éponge. Et tout simplement, vous allez faire des damiers comme ceci, hop, des petites lignes de sable
les, je sais pas, on va compter à peu près 5-6 blocs, voilà. Et ensuite, vous venez, bam, avec un petit, une petite éponge et vous faites ça sur toutes les longueurs. Vous avez vu, c'est pas non plus énormément long. En plus, pour faire cuire les éponges, vous allez dans le nether, vous les posez juste. Ça les transforme en éponges non, on va dire, non d'eau, on va dire, d'éponges sans eau. Donc c'est plutôt rapide, ça prend un petit peu de temps. C'est vraiment l'une des étapes les plus longues de cette usine, mais comme je l'ai dit, ça vaut vraiment le coup. Et donc voilà, après avoir passé pas mal de temps en survie à enlever l'eau, vous devrez avoir ces trois couches comme ceci qui sont enlevées, comme je l'ai dit. C'est l'un des moments les plus longs pour cette usine, mais une fois que vous l'aurez fait, ça va être plutôt linéaire pour construire la suite. Vous allez voir, ça va être plutôt simple. Et donc, maintenant, on va construire les modules de chaque truc, de chaque petite colonne où spawn les mobs. Et là, il va falloir en faire 25 avec de l'obsidienne, des petits portails. Alors, pour en avoir pas mal d'obsidienne au passage, en survie, vous pouvez simplement aller dans l'Inde, creuser des tours de l'Inde, là où il y a le dragon, et tout simplement avec un petit beacon, ça va plutôt vite. Et là, très important, chose très très importante, vous allez prendre votre map, c'est super important, sinon vous allez avoir des soucis de spawn. Vous regardez vers le nord une nouvelle fois, et donc on va commencer en haut, voilà, vers le nord. C'est très important, vous choisissez votre longueur que vous voulez, mais chose ultra importante, donc là regardez, on a nos petits piliers. Au passage, vous pouvez casser la hauteur, sachez que les gordons ne spawnent pas tant qu'il n'y a pas d'eau. Et tout simplement, vous allez vous mettre, regardez, je suis à la couche 61. Donc à partir de là, on va construire l'usine, vous allez mettre un portail du nether juste derrière, comme ceci. Alors vu qu'on a un seul bloc, on va le mettre à cet endroit là, comme ceci. Voilà, un petit portail, vous n'êtes pas obligé de mettre les coins si jamais ça coûte un petit peu cher pour vous l'obsidienne. Et alors là, comme vous pouvez le voir, on est toujours à la hauteur 61, c'est parfait, c'est la dernière hauteur à cet endroit là où le guardian peut spawn. Là, il ne pourra pas spawn même si on met de l'eau, bah, il peut spawn en dessous par contre, mais là c'est la dernière hauteur. Donc on va tout simplement venir placer un petit système qui est tout simplement un piston, voilà, comme ceci, avec du verre juste tout autour comme cela. Et en fait, on peut même déjà allumer le petit portail. Après, en fait, on va venir placer de l'eau ici qui est à la couche 61, comme je dis, la dernière hauteur où peut spawn le guardian. Et tout simplement, quand le système sera activé, donc le piston sera rétracté, l'eau tout simplement sera au-dessus de notre petit bloc. Et comme c'est un bloc spawnable, mettez pas du verre, c'est très important. Mais donc, comme je vous disais, tout simplement, là dans ce cas là si on met l'eau, les guardians vont pouvoir spawn, alors que si on active avec de la redstone tout simplement le piston comme ceci, et bien là il n'y a plus de possibilité avec l'eau qui sera au-dessus qu'un guardian spawn. Donc ça désactive entre guillemets l'usine, donc c'est parfait. Et alors là, ce petit module qu'on a fait là, on va devoir le faire sur toute la longueur. Mais chose extrêmement importante, c'est qu'il va falloir garder ce sens là c'est à dire qu'il va falloir garder, si on regarde la map, le nord, il va falloir regardez le fait que le portail soit au nord et la machine soit au sud. Sinon vous allez avoir un souci si vous mettez votre machine au sud et le portail au nord dans ce sens là. Ce qui va se passer, c'est que les guardians vont spawn mais vont pas se faire TP directement, et là ça va tout simplement casser votre usine. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais construire cette usine, enfin ce petit module là, 25 fois sur chaque petit truc, et on se retrouve juste après. Donc voilà qui est fait, regardez, j'ai mis les 25 portails, ils sont tous bien comme je vous l'ai dit, le portail dans le nord, le système vers le sud, c'est parfait, comme on peut le voir, tout est parfaitement mis. Je vous déconseille au passage de mettre directement l'eau maintenant, je vous conseille de la mettre tout à la fin. Mais maintenant on va donc relier tout ça avec de la redstone, vous allez voir c'est plutôt simple, je vais même le faire avec d'autres blocs pour que vous puissiez bien voir ce que je fais. Et alors là c'est plutôt simple, donc vous allez choisir un petit peu arbitrairement là où vous voulez commencer, on va dire qu'on va commencer hop sur cette petite ligne là. Et alors là c'est très simple, on va commencer donc par la ligne du milieu. Vous allez déjà dans un premier temps venir placer toute une ligne à côté des pistons. Alors là, je l'ai mis un poil trop, hop, je me suis trompé, il faut le mettre à cette hauteur ici au niveau de l'eau. Voilà qui est fait. Au passage, on peut déjà venir un peu placer la première colonne, la première ligne avec de la redstone, c'est super simple, on va partir de l'extérieur. Vous allez venir placer que de la redstone. Quand vous arrivez au niveau du piston, vous mettez un bloc et là vous mettez un repeater qui part vers l'extérieur, on va dire, de l'usine. Vous faites ça jusqu'au à peu près ici au troisième, hop, pareil ici. Là on va laisser de l'espace pour le moment, on va pas le faire, on va le faire juste à partir de là. Vous avez vu, c'est super simple, c'est juste tout simplement de la redstone qui conduit vers les pistons. Et quand il y a tout simplement un piston ici, on met juste un repeater pour alimenter, pour aller beaucoup plus loin. Et là tout simplement, regardez, hop, on va un petit peu relier les deux systèmes. Vous allez voir, on va peut-être par exemple les relier juste ici, et on va dire par exemple que là c'est le point de départ de notre petite machine, là où va partir, on va dire, tout le petit courant de redstone. Ce que je vous conseille pour tester vos machines, c'est directement de mettre tout en alimenté, comme vous pouvez voir, regardez, hop, tous les pistons sont bien étendus, c'est parfait. Et alors là on va donc, comme faire, on l'a fait juste avant, une ligne de chaque côté de dans ce sens là et ensuite après c'est exactement pareil que cette ligne là qu'on vient de faire là, vous la faites à chaque fois. On va en faire une ici, on va en faire une ici, à chaque fois c'est vraiment toujours pareil. Vous mettez de la redstone, le seul truc qui va changer, c'est que par exemple ici on va imaginer la ligne qui va partir de ce côté là vous pouvez pas juste mettre de la redstone toute la ligne ici, sinon vous allez avoir un souci. Tout simplement, je vous conseille, quand il y a une intersection, de mettre un bloc, un petit repeater, comme ça vous allez voir que si, hop, j'alimente tout ceci, déjà il y a la bonne distance, c'est parfait. Et comme ça, en fait, vous récupérez ici un courant, on va dire full puissance, comme ça c'est parfait. Et vous avez besoin normalement de le faire qu'une seule fois, parce que quand on arrive ici, ah si, ici aussi il faut le faire, pardon, excuse-moi, hop, ici on le fait aussi comme ça,
on réalimente toute une ligne qui va être faite aussi de ce côté-là. Évidemment, ça, vous le faites de ce côté-là aussi. Donc voilà qui est fait. Comme pour l'heure, j'ai relié toute la redstone. C'est ultra simple. Franchement, c'est juste des petites lignes avec des blocs et des répéteurs pour éteindre le signal. Mais sinon, c'est super simple. Et vérifiez bien, évidemment, quand vous désactivez, que tout se désactive, tout fonctionne bien. On met pas encore l'eau, on la mettra à la fin. Mais voilà, c'est déjà ça, c'est parfait. Maintenant, on va se mettre au centre, là où il y a le portail vraiment central, là où il y a... où il y a trois côtés, je crois que c'est parfait. Ouais, c'est parfaitement ici le centre. Et là, on va retenir les coordonnées de ce portail. On va aller dans le nether, je vais faire un petit peu d'espace. Et on va construire, crafter, je ne sais pas comment dire. On va placer là aussi un petit portail dans le nether qui est parfaitement sur les mêmes coordonnées. Donc pour les gens qui ne savent pas comment on fait, vous prenez les coordonnées qui sont ici, vous prenez pas la hauteur on s'en fout, ça sera toujours la même. Et vous divisez par 8 pour faire un portail là aussi dans le nether. Donc nous voilà dans le nether, j'ai fait un petit peu d'espace autour. On a le bon portail qui est bien placé. Là, on va venir déjà dans un premier temps, hop, boucher l'un des côtés du portail pour éviter que tout simplement les mobs se baladent et sortent de notre petit endroit où on va vouloir les tuer. Et de ce côté là on va faire un box de 2x2, comme ça avec 4 blocs où c'est que les guardians vont pouvoir tomber dedans. Donc voilà qui est fait. Et maintenant on va venir placer de la lave pour tout simplement les tuer. Alors là c'est le mode, on va dire, on va mettre 3 blocs de lave au passage, hop, 1, 2, 3, juste ici. Là c'est simplement le mode, on va dire, loot. Voilà, vous pouvez même au passage mettre juste, ah non, il faut mettre obligatoirement 2 laves. Je croyais qu'on pouvait en mettre une seule, mais 2 c'est vraiment primordial. Et donc voilà, ça vous fait simplement 3 hauteurs de lave, comme ça les guardians vont tout simplement prendre des dégâts de la lave et ça sera parfait. Bon, maintenant on va s'occuper de l'endroit où on va vouloir un peu plus les tuer et récupérer les loots. Pour ce faire, on va à peu près se centrer, voilà, à peu près ici, et on va dire qu'on veut que tous nos loots arrivent sur ce hopper là. Donc on peut déjà caler un chest, et donc une fois que ceci est fait, on peut tout simplement venir caler directement les petites campfires. N'oubliez pas surtout de refermer, sinon vos petits guardians vont partir dans tous les sens et là ça va être problématique. Et donc là, ça c'est le mode un petit peu, on va dire, loot, c'est à dire que les guardians vont tomber, vont directement mourir. Mais vous pouvez aussi le mettre en mode, on va dire, XP, ou tout simplement avec un dispenser vous retirez la lave, une petite source de lave qui retire, un petit dispenser qui retire la source de lave, et vous venez par exemple à la main boucher tout simplement les campfires pour éviter qu'il les tue. Et là vous venez tout simplement en haut avec, comme je vous l'ai dit en intro, une potion de fire damage, non c'est pas fire damage, c'est instant damage pardon, et vous la lancer sur les guardians, comme ça ils vont instantanément mourir. Il faut peut-être parfois en lancer une ou deux, mais comme ça vous allez pouvoir les tuer plutôt rapidement. Bon, nous on va rester dans le mode, on va dire, stockage, dans le mode loot, parce que c'est le mode le plus intéressant si jamais vous voulez avoir de la prismarine. Et donc on va de ce pas aller tester notre petite usine. On va se rendre du côté du monde overworld. Et alors là, l'usine ne va pas pouvoir fonctionner directement. Ce qu'il va falloir faire, les amis, dans un premier temps, c'est venir placer l'eau ici. Mais avant de la placer, déjà, première chose que je vous conseille, c'est d'activer votre petite machine, parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que tout simplement, quand le temps qu'on mette l'eau, en fait, il y aura déjà pas mal de guardians qui vont spawn. Et comme je vous l'ai dit peut-être en intro, si jamais vous avez trop de guardians pour les petites consoles comme les Switch ou ce genre de consoles, eh bien, ça peut faire les crash de votre map. Donc faites attention de ne pas laisser cette usine tourner trop longtemps, sinon, ça peut être problématique pour votre petite machine. Et donc voilà, on va placer donc de l'eau dans chaque petit module, comme je vous l'ai dit, juste ici dans les 25 petits modules. Voilà qui est fait. Maintenant, juste avant d'aller activer l'usine, parce qu'elle est quasiment finie, on va à nouveau se placer au centre sur le portail qui est à peu près ici. Et là on va monter à la couche 86 pour pouvoir caler une petite plateforme sur laquelle on va rester AFK. Alors vu, comme je l'ai dit, ce n'est pas vraiment impair, c'est même plutôt pair, ça va être plutôt compliqué pour caler une plateforme impair, mais bon, on va faire un truc un peu, on va dire, voilà, on va faire ça, c'est pas mal comme ça. Et donc maintenant vous allez pouvoir tester votre petite machine. Si, alors là j'ai pour le moment laissé juste un petit bloc de redstone, mais vous pouvez le faire par exemple avec des slime blocks et tout, pour tout simplement pour l'activer et la désactiver depuis tout en haut. Et pour ce faire, c'est super simple, regardez, alors vous mettez un piston à l'envers, j'ai mis un bloc de redstone, mais vous pouvez tout simplement juste utiliser un petit levier, comme ça vous pouvez désactiver, activer votre petit piston comme ça ou comme ça, comme vous le souhaitez. Et tout simplement, là dans ce cas là elle est activée l'usine, parce que vous avez des blocs. Et si on monte par exemple tout en haut sur notre plateforme, on devrait peut-être le voir de temps en temps, il devrait y avoir des petits guardians. Vous voyez, hop, ça vient de pop ici, c'est super rapide juste là, il pop, il dépop directement pour se faire TP dans le nether. Et normalement, si on passe dans le nether, alors je vous déconseille au passage de désactiver la petite usine avec le piston, sinon vous allez avoir des petits soucis si vous revenez de ce côté là donc vous désactivez, hop, vous passez le portail. Et là regardez, regardez-moi tous ces guardians qui ont spawn, c'est du grand n'importe quoi. Alors j'ai désactivé le son des mobs, sinon ça serait une horreur, mais regardez-moi tous ces guardians qui spawn, c'est du grand n'importe quoi le nombre d'entités qu'il y a. C'est pour ça, comme je vous l'ai dit, si jamais vous êtes sur console comme Switch ou autre, faites vraiment attention de ne pas la laisser tourner plus de 2 minutes, je dirais, parce qu'après ça commence à être un petit peu too much niveau quantité de mobs. Au passage, sachez que c'est l'une des plus grosses usines aussi à XP avec l'usine à or. Si on admet les usines un peu glitch avec les Kelbou, ce genre de choses, cette usine peut faire jusqu'à 30 levels en même pas 25 secondes, ce qui est plutôt insane. Et là, regardez, en quelques petites secondes, on a déjà je ne sais pas combien de loot de trucs à guardian, c'est super cool. Le seul souci, comme je l'ai dit, si jamais vous êtes en solo, ça peut prendre un petit peu de temps, le temps de rester AFK, revenir dans ce monde, rester AFK et tout. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment de faire cette usine sur serveur. Bon, et bien voilà, j'espère que cette petite usine, ce petit tuto,
vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, comme je l'ai dit en intro, en espace commentaire, si jamais vous avez bien aimé, si jamais par exemple vous voulez que je vous tente d'autres usines comme l'usine Arrête, ça peut être plutôt cool. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire. Et puis nous les amis, on se laisse là. Merci à tous d'avoir regardé ce petit tuto. On se dit à la fois prochaine, sans doute pour la petite survie hardcore, ultra hardcore. Voilà, n'hésitez pas à aller la voir, c'est plutôt cool. On fait de magnifiques bulles, ou peut-être pour une usine. Allez, ciao les gens, merci à tous d'avoir regardé ce petit tour. Allez, ciao ciao.